tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, ça va être un try-on de maillot de la marque Kupsch. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et que ça va pouvoir vous donner des idées de maillots à acheter cet été. En tout cas moi je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec la suite. Le premier maillot, et c'est d'ailleurs le seul maillot taille basse que j'ai pris, il se présente comme ceci. Je le trouve super joli, c'est un bleu canard avec des fleurs dans les tons rose, orangé, et il y a un petit peu de bleu pastel. Et franchement il est trop trop beau. Je l'ai pris en XS, de toute façon tous les maillots je les ai pris en XS sauf un, je vous dirai lequel. Donc voilà, il se présente comme ceci, vous pouvez le resserrer juste là. Donc ça c'est hyper cool, donc juste au niveau de la taille. Voici le bas et voici le haut. Donc le haut c'est une sorte de brassière orange, je la trouve trop trop belle. Vous pouvez la resserrer comme ça derrière. Donc pareil, c'est le même système que pour la culotte. Donc je trouve ça super joli. Donc c'est un ton orange pastel un petit peu. Et franchement c'est pas du tout les couleurs que je porte habituellement. Mais je trouve ça super sympa. Surtout pour cet été et tout, j'avais vraiment envie de maillots qui changent. Pas des maillots que vous voyez partout sur tout le monde. Il y a des coques mais vous pouvez les enlever. Donc ça c'est hyper cool parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui préfèrent porter leur maillot sans coque. Pour ce qui s'agit des... Je fais du XS, S en général en France. Donc je vous dirais pas de prendre plus grand. Parce que par exemple le maillot que j'ai pris en S, vous allez voir, je vais vous montrer la différence avec ceux que j'ai pris en XS. Il y a vraiment une immense différence. Donc je pense que je vous conseille de prendre votre taille. Mais pas prendre plus grand. Franchement ne prenez pas plus grand. Parce que ça va être trop grand en fait. Je sais qu'il y a certaines marques qu'il faut prendre plus grand parce que ça taille plus petit ou des bails comme ça. Mais moi j'ai pris ma taille XS et tout me va. Donc franchement je vous conseille de prendre votre taille. Voici pour le premier maillot, je le trouve super sympa. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez. Le deuxième maillot, je vais vous montrer tout de suite celui que j'ai pris en S. Donc il se présente comme ceci. C'est une sorte de prune. Celui-ci vous voyez, genre il est plus grand que l'autre. Après je vous en montrerai un autre en S en coque, comme ça vous pourrez vraiment comparer. Voici le bas. Donc en fait je l'ai pris en S parce que j'avais vraiment eu un coup de cœur pour ce maillot. Mais il n'y avait plus un XS. Du coup je l'avais quand même pris en S. Mais je le trouve trop trop joli. Ça change grave de d'habitude. Mais par contre vu que je l'ai pris un petit peu plus grand, déjà que très important à vous dire, pour celles et ceux, enfin surtout celles qui veulent prendre des maillots taille haute, là n'hésitez pas, c'est vraiment taille haute. Ça rigole pas, ça monte vraiment assez haut. Du coup là vu que j'ai pris un maillot qui est un petit peu trop grand pour moi, il monte un petit peu, elle monte un petit peu trop haut la culotte. Mais bon c'est pas grave, je le trouvais tellement beau ce maillot. J'aime tout particulièrement le haut, je le trouve trop trop joli. La couleur et tout, je trouve ça trop beau. Par contre c'est coque intégrée. Je vois pas de... Ouais. Non, c'est coque intégrée pour celui-ci. Mais franchement, trop trop beau. Je vais prendre ce maillot-là pour que vous puissiez comparer. Voici un maillot rouge. Je le trouve trop trop joli. Bon, celui-ci, il sort grave du style de maillot que j'ai l'habitude de porter. Donc, il se présente comme ceci. De toute façon, à chaque fois, vous avez dû voir déjà, il y a une photo hein, où vous voyez tout porter. Et vous le mettez comme ça, en bas des épaules. Et c'est super joli. Et ça fait pas vulgaire, franchement... Enfin moi je trouve pas. Et voici la culotte. Donc là il y a des petits détails au niveau de... du ventre, au niveau des hanches, enfin au niveau du V vous voyez. Et je trouve ça super sympa. Rouge, j'ai toujours voulu un maillot rouge. Et franchement gros coup de cœur. Donc là vous voyez ça c'est une culotte taille haute. En XS pardon. Je sais pas si vous allez bien voir la différence. Mais voilà. Surtout de hauteur, j'essaye de bien mettre. Vous voyez, il y a quand même tout ça. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de prendre votre taille. Là, vous faites un nœud, juste ici. Et voilà, il y a plein de petits volants et tout, je trouve ça trop mignon. Prochain maillot, je sais plus combien on est là, je sais plus compter. Il se présente comme ceci, il est orange, un petit peu fluo. Et pareil, c'est assez original, mais celui-ci, enfin le bas est quand même assez voyant. Mais le haut, c'est un haut tout simple blanc. Donc franchement, ça contraste bien. Et ce que j'adore même sur ce haut de maillot, c'est le petit détail à l'arrière. Ça s'accroche comme ça. Donc ok, c'est pas ouf pour le bronzage. Mais en esthétique, je trouve ça super joli. Pareil pour celui-ci, vous pouvez enlever la coque.
Et c'est vrai que j'ai toujours voulu un maillot blanc. Bon là j'ai pas pris de maillot de blanc, j'ai que un haut blanc. Mais faudra que je pense que je vais m'en racheter un sur le site. Un maillot entièrement blanc, ou j'achèterai juste un bas qui puisse aller avec celui-ci. Parce que vous pouvez aussi prendre des ensembles de maillots, mais vous pouvez également prendre un bas, un haut. Enfin, vous avez une autre catégorie, vous avez une catégorie ensemble et vous avez une catégorie pièces. Voilà, donc ça je trouve ça assez pratique, surtout pour les personnes qui font par exemple du M en haut, du S en bas ou l'inverse. Je trouve ça assez pratique. Prochain maillot, alors celui-ci je crois c'est l'un de mes préférés, il est trop trop beau. J'adore la couleur, je sais pas si vous verrez très bien. Alors il se présente comme ceci, c'est encore un taillotte. Et en fait il est bleu canard certes, mais je pense pas que vous le verrez très bien en vidéo. Mais en fait c'est tout pailleté, c'est tout, c'est trop joli, tout brillant, tout pailleté. Et je trouve ça super joli, super classe. La culotte, elle est comme ça, avec comme une bande tout le long. Et le haut, encore beaucoup plus beau. Il est trop trop beau le haut. Il est comme ceci. Donc là, vous serrez autour du cou. Et voilà. Vous pouvez pas resserrer à l'arrière, par contre. C'est genre une barre comme ça. Mais avec les petits lacets, vous pouvez resserrer plus ou moins au niveau du cou. Et franchement, je le trouve trop trop beau. Vous pouvez enlever la coque également. Ça, franchement je trouve ça super cool qu'on puisse enlever la coque, parce qu'il y a pas mal de personnes qui mettent sans. Et comme ça là vous pouvez faire les deux, alors que sur certains maillots, enfin moi personnellement je préfère quand il y a la coque, mais sur certains maillots il n'y en a pas. Alors je préfère quand il y en a et qu'on peut l'enlever, comme ça ça plaît à tout le monde. En bref, je raconte ma vie. Mais voilà pour ce maillot, trop trop beau. Gros coup de cœur, je crois c'est mon préféré, il est trop beau. Ça change grave des couleurs qu'on voit d'habitude. Enfin moi personnellement j'ai jamais vu un maillot comme ça. Sur une peau bronzée. Franchement pépite. Et ben je crois qu'on arrive au dernier maillot. Il se présente comme ceci. C'est une pièce. Enfin je vous montre une pièce. Il est comme ceci. Il est trop trop beau. Derrière vous pouvez le resserrer avec des lacets comme ça. Et en fait à l'avant, là on voit pas très bien, mais à l'avant hop, il y a ça qui pend. Et vous pouvez faire un nœud. C'est une pièce, mais on dirait presque un deux pièces. Et je trouvais ça hyper original, parce qu'en fait c'est tout ouvert au niveau du ventre, mais c'est quand même relié un petit peu sur les côtés. Donc c'est tout de même à une pièce. Mais donc il a un truc en plus dans une pièce, mais il ressemble un petit peu à deux pièces. Enfin voilà, il a un truc en plus ce maillot. Je l'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en plus noir. Bon évidemment avec des fleurs, parce que je sais pas, j'avais envie de trucs fleuris. Et il y a pas mal de trucs fleuris sur leur site. Oui il y a aussi des trucs simples hein, mais il y a pas mal de trucs fleuris. Pour une fois avoir un peu un maillot, une pièce qui fait pas un bloc un peu qui grossit et tout, celui-là il taille très bien. Non franchement, je crois que j'ai dit franchement, je sais pas combien de fois dans cette vidéo, mais il est très très joli. Je crois que je vous ai tout montré déjà, j'espère que je suis pas allée trop vite. C'est vrai que j'étais assez impatiente de vous les montrer. J'ai un code promo pour vous, je vous l'affiche à l'écran, comme ça j'oublie pas. Et aussi je sais pas si vous avez remarqué, mais sur les photos que je vous ai montrées où je portais les maillots, je porte des bijoux. Donc là je les porte sur moi. Une bague avec un croissant de lune et une étoile. Et là j'ai un collier avec plein d'étoiles. Après j'ai eu un autre collier que je vous afficherai là. Mais là je ne l'ai pas mis sur moi. Et d'ailleurs j'ai posté une photo Insta si ça vous intéresse, si vous voulez les voir mieux portées, etc. Je vous mets mon Insta juste ici. Là c'est la marque Happiness Boutique. Je voulais juste vous en parler un petit peu parce qu'ils m'ont envoyé ces produits. Et c'est vrai que mais sur leur site, bon, il y avait des jolis bijoux, etc. Mais quand je les ai reçus, je les trouvais vraiment super jolis. Enfin, franchement, j'ai eu un gros coup de cœur pour ces bijoux. Ils sont trop trop beaux. Je les ai pris en rose gold, mais vous pouvez aussi les prendre en or. Enfin, il y a plein de couleurs, il y a plein de styles de bijoux. Et franchement, merci beaucoup à eux de m'avoir envoyé. Si j'ai un code promo pour vous, pareil, je vous l'affiche sur l'écran comme d'habitude. Je vous mettrai en lien une sorte de formulaire, au pire. Je verrai si je peux vous l'incruster ou je vous le mettrai là sur l'écran. Une sorte de... C'est pas vraiment un formulaire, c'est comme un catalogue en fait. Et ça explique plein de trucs sur la marque, etc. et sur les bijoux. Donc je vous le mettrai quelque part. Donc là j'ai le sorte de petit catalogue que je vous parlais. Donc de toute façon je vais essayer de vous l'afficher sur l'écran ou de vous le mettre en barre d'infos. Parce que c'est hyper sympa. Ça vous donne plein de manières de porter les colliers avec des vêtements pour accessoiriser vos vêtements, etc. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère également que ça aura pu vous donner plein d'idées de maillots et de bijoux pour cet été. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye!